Salut la VOD, salut tout le monde. Alors, je reprends sur cet écran, comme ça on voit bien un petit récapitulatif depuis un peu plus longtemps. Du coup, la dernière partie je l'ai jouée hier soir, le 16 février. Il y a, on a joué 150 jours dans le jeu, et notre cimetière et qualité d'église laisse presque à désirer. Un petit truc que j'ai remarqué, c'est que le petit piaf là, le corbeau arrive sur le... Enfin, je l'avais jamais vu cette animation, voilà. Il y en a d'autres, forcément la cascade et l'eau, on les avait vus. Le phare, tout ça, mais là il y a un petit bonhomme qui passe aussi. Mais l'écran titre qui me réserve des surprises malgré le nombre de... Passer le 24e épisode, donc tous les épisodes précédents et les quelques lancements juste pour faire des tests. Du coup, d'habitude je fais le vrai récapitulatif avant la vidéo, mais vu que j'ai streamé hier et enregistré la vidéo 23 hier, ça devrait pas aller trop lentement. Du coup, pour moi, la mission principale, c'est toujours la même. L'astrologue, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas forcément ma priorité tout de suite. Serpent, on va pouvoir... Enfin, faut qu'on trouve comment faire des clous ensanglantés, mais ce serait pas mal d'aller dans le sous-sol, dans le donjon. Le marchand, la licence commerciale, elle est à 50 et j'ai dépensé tout mon cash. Et les 5 dîners de qualité or, c'est hors de question là tout de suite. Le collier de serpent, non. L'église, je sais pas comment atteindre 50. Je sais comment atteindre 49 pendant quelques secondes, enfin pendant une semaine à peu près, en mettant des bougies, mais c'est tout. Auradric, le tampon, il coûte aussi cher que la licence commerciale, autant demander à Serpent. Et Serpent, comme on a dit, il faut des clous ensanglantés. Oui, aujourd'hui, il faut faire le sermon. J'ai fait des pommes au four. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai 18 de bleu. J'ai pas trop réfléchi dans quoi je peux les mettre. Prière de repos. Tous les défunts sont les bienvenus dans notre cimetière. Mais je sais pas ce que ça veut dire que tous les défunts sont bienvenus dans mon cimetière. Étagère mortuaire, table d'embaumement. Ça peut peut-être améliorer la qualité d'embaumer les défunts. Mais pour ça, il faut d'abord faire les fluides d'embaumement. J'avais pas fait gaffe. Odeur de la foi, de l'encens, des bruits l'encens. Ah, peut-être que ça peut augmenter. C'est quoi ça hein? Juste ici, banc d'église confortable. Peut-être que ça aussi, ça peut augmenter. Ça peut peut-être même augmenter le nombre de gens. Donc les bancs confortables, je les retiens. Avec le récolteur. Le maître récolteur, ça peut être intéressant. Faut qu'on voit s'il y en a besoin. Mais je pense que je vais partir sur le brassage et le zombie, vu le nombre de temps que j'en parle. Ce serait bien d'y aller un jour. L'enclume 2, c'est pas mal aussi. Ça serait bien d'y aller un jour. Parce que là, c'était quoi que j'avais dit juste avant? Pas l'encens. Ouais, le maître récolteur. Ah oui, les bancs d'église. Les bancs d'église, ouais, ça reste très intéressant. Je pense que je vais quand même partir là-dessus. Ferme de zombies et shop des alambics comme schéma avec la recette shop de bière. Voilà. Deuxième fournée. On va à l'église pour faire le sermon avant tout. C'est la priorité du moment. On va faire la prière pour les cultures. Cette fois, on va s'en servir, je pense. Si on met un zombie à faire le jardinier, il y a des chances. D'ailleurs, on a un jus de zombie. Faut que je l'étudie. Parce que
là j'allais l'utiliser sans l'étudier. En plus il rapporte du bleu. Qui, comme on le sait, j'ai du mal à reproduire. Hein ? Ferme de zombie 2, ferme de zombie 3. Ah oui. Les fermes de zombies évoluées, j'avais pas fait gaffe ça. C'est parti. Ça se trouve, il nous donnera la recette. Et non, juste. Ça peut être décomposé en rien. Et on passe à 13 directement. Donc, si le maître récolteur nous intéresse dans les recettes, même si ça m'étonnera un petit peu, on pourra le prendre. Sinon, on va garder pour les bancs évolués. D'ailleurs, je vais me mettre dessus, comme ça j'y penserai la prochaine fois. Ça sera le bon onglet, au moins. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse, avec le point d'exclamation à la ligne. À présent, prions pour cette bénédiction. Oh, j'ai un de foi. Oh, 8 de foi d'un coup. C'est beaucoup. Il faut que j'en ai récolté un. 9, 10, 11, c'est ça. Superbe sermon. Ah non, mais j'ai le jus de zombie sur moi. Ça, 11 en tout récolté, bonus d'argent 16, donc fois reçu 8 et bonus 3, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vu qu'on est le jour du sermon, le l'âne ne livre pas, il va falloir attendre. Étagère de parchemin, je pourrais en faire. Je sais même plus ce que j'ai pas. J'ai. Logiquement. J'ai pas. J'ai, je crois. Râtelier d'alchimie, je sais plus. Bref. Je sais pas si je prends ça tout de suite. Je viens de voir qu'on avait laissé tous les organes se balader par terre. Et je ne peux en prendre qu'une partie. Stocker les pommes cuites aussi. Alors, mince, je voulais pas aller là, je voulais aller au. C'est pas grave. Je voulais aller directement vers le. Là où il y a mon zombie qui travaille devant chez moi, mon non mort, et ensuite aller au. Et le mettre au jardin pour voir qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que je construise un poste de travail. Au jardin ou pas, ce genre de choses. D'ailleurs, je me balade avec mes poches quasiment pleines sans regarder ce que je peux poser, genre la foi, le sermon, quoique la foi. Je vais étudier peut-être les corps, ce qui peut me rapporter du bleu là. Dans les corps humains. Ok, 6 de fois, j'ai pas le droit.
plus si je veux faire un prochain zombie vite, enfin, avec le prochain qui arrive. J'ai du poisson qui me sert pas à grand chose sur moi, les soupes, tout ça, et la tourbe. J'ai beaucoup de trucs qui me servent à rien, quoi, si on le dit clairement. Un cerveau, de la chair, un cœur et des intestins. J'aurais très certainement pas de quoi étudier tout ça. Est-ce que la graisse et la peau, je les ai déjà étudiées? Oui. J'ai sûrement pas assez de fois pour étudier tout ça. Du coup, le nom mort continue à travailler. Peut-être là où j'avais dit avant, au dernier épisode. Non, on va faire la chair en dernier. Ça peut être décomposé en fluide. Ça me donne 72 000 de bleu, oui. Ça coûtait 3 de fois pour ma défense et 3 de fois, c'était pas forcément gagné à un moment. Au moment où j'en avais pas mal besoin. Voilà, donc les intestins et le... Je vais être décomposé en essence. Les intestins et la... Poste de préparation. Poste de préparation. Ah, c'est pas le mélangeur à main. Si. On va tester. Il me manquait aussi de la foire. Hein. Solution de vie. Si je mélange à la main un cerveau, ça me donne une solution de vie. Vous retenez, hein. Ça me paraît pas très très logique. Je sais pas. Il n'y a pas de logique en fait là-dedans. En plus, je les ai pas. Bref. J'ai pas étudié ça. Ça, je peux le poser, ça m'encombrait pour rien et je l'ai pas fait gaffe. Et tout ça, je vais le poser en haut. Le jour de la femme, c'est Madame Charme. J'ai du mal à prononcer son nom. Pas forcément très très intéressant. Et voilà, j'ai 72 000 pommes au four qui m'encombrent maintenant. Poisson pané. Ah, il faut juste du... Okay, il faut juste du poisson pour ça. Je commence un peu à regarder les recettes, vu qu'il va falloir que je fasse au moins des hamburgers. Pourquoi pas des gâteaux, puisque le très circonspect peut être intéressant. J'aurais peut-être dû d'ailleurs avoir un gâteau pour étudier ce qui me donne du bleu. C'est pas si grave que ça. Maintenant que je sais en produire, même si c'est en quantité beaucoup plus faible. Non, c'est là. J'ai beaucoup de machins. Alors lui, il a fini de travailler. Où est-ce que je peux le poser pour qu'il travaille là? Est-ce qu'il faut construire... Ferme de zombies, voilà. Donc, 5 planches, 3 pièces de fer simple, 10 clous. 5 planches, 3 pièces de fer simple, 10 clous. Je vais regarder déjà ce qu'on a. Oh, il n'y a plus de bois. Donc 5 planches, c'est bon. 10 clous, c'est bon. Et je sais plus combien de pièces de fer simple, mais c'est bon. D'en faire deux. Ah oui, d'accord. Ah, ça prend un bloc, quoi. On va le faire là, au milieu, je pense. Mais par contre, les blocs du haut, ils sont plus grands. Mais tu... 3 de haut. Et on peut mettre... Ouais, c'est ça. Il reste 3. Du coup, on peut mettre des fermes non-zombies en dessous. On va le mettre là. Pour commencer.
pensais qu'il travaillerait de partout. Mais apparemment. What? Faut aussi. Oh là là. Voilà, fabriquer. Ah. Ah oui, là par contre, améliorer la qualité de la ferme rang 2. C'est quoi? Il faut de l'engrais de qualité. Et ça améliore la ferme totalement. Ok. L'engrais de qualité, on sait pas le faire, vu qu'il manque des ingrédients chelous. D'accord. Et là, du coup, il peut nous produire ce qu'on veut. Ah, on lui donne une liste. D'accord. Comme les autres. D'accord. Et on peut lui dire infini, tout ça. Et il va d'abord nous dire, bah voilà, il faut 24 graines. Et etc. Ok. Mais par contre, on peut pas lui dire, bah tiens, j'ai des graines de bonne qualité plutôt que des qualités argent. Ok. Bon, c'est pas du tout comme je pensais, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai pas de. J'ai pas assez de graines. Je pensais qu'on lui ferait un poste, par exemple, on le mettrait ici, et il irait tout récolter, tout ce que j'ai planté, et il les replanterait tant qu'il peut, quoi. Pas grave. C'est pas la première fois dans ce jeu qu'on fait des choses qu'on pense que ça va marcher d'une manière, mais en fait non. Alors on repose les pièces de fer simple. Stock de bois, je suis à 0. Pierre et marbre, je suis à 0. J'ai. Ah, on aperçoit l'autre mal. Ok. Où il n'y a que du fer. D'ailleurs, ici, on peut faire un lingot d'acier, il faut du graphite, je sais pas comment on fait du graphite pour le moment. Je crois que c'est dans les trucs à récolter de plus haut niveau. Ouais, ça va prendre une éternité, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai besoin ici ? Ça, je prends sur moi. Je peux faire des dos, il n'y a pas de dos. Voilà. Et là, tu peux pas travailler forcément. Oui, il faut de la peau. Pâte à poudre. Faudrait que je m'en fasse une, mais j'ai pas d'huile. Je sais pas comment on fait de l'huile. Cadavre. Je m'en occupe et au lieu de ramener le bois de la ferme à zombies, je vais ramener le bois du cimetière tout simplement. Alors non. Autopsie. J'ai besoin de la peau. Extraire la peau. Je crois que c'était 4 et 2. 5. Du coup, ça a transformé un crâne bleu en crâne rouge, c'est ça. Si c'était 4 et 2. Et forcément, j'ai déjà plus le retour là-dessus. Pas grave. La graisse, il nous faut des bougies. Et le sang, parce que ça améliore la qualité. Il y a une des opérations qui est foirée. J'ai pas beaucoup de viande. Commence à en avoir besoin. J'ai rien sur moi. Les baies, c'est pas super bien de les manger tout de suite. Faut
peut-être mieux les transformer en jus de baie pour que ça soit un peu plus rentable. Et du coup, manger des pommes au four à la place. Mais j'étais venu là pour prendre mon jus de zombie, me rendre compte que j'ai plus de place. Si c'est bon, 10 de fois. Je vais vite fait poser le sang et le et la viande dans mon coffre. Voilà. De résurrection ressuscité. Il n'y avait pas un effet de zzzzt avant? Bon, tant pis. Non, j'ai rien de nouveau. Le marchand, le jour du marchand, la licence commerciale, les 5 dîners, je sais pas. La licence commerciale. Je peux pas lui acheter tout de suite quoi, lui en acheter une tout de suite. Toi tu vas fabriquer quelques planches quand ton collègue aura fait des doses. Bref, inventaire, personnage, je mets équipé à gauche. Il y a un petit arrêt quand il mange. 1/2. C'est peut-être l'autre que j'ai pas cramé en bas. Effectivement. C'est pour ça que j'en avais fait 28. Comme ça. Ah merde, il m'en manque. C'est pas grave. Comme ça, j'en ai quelques-uns d'avance. Bah du coup je pourrais en mettre un des zombies sur le. À fabriquer des dos encore. J'ai ramené ça, comme ça ils travailleront. Bonjour. Sérieusement? Allô? Je me suis bloqué. Je peux lui demander de fabriquer quelque chose. Je peux le fabriquer moi-même. Je suppose, même pas. Je peux pas récolter de l'eau. J'ai pas fait de sauvegarde. Ainsi, puisque ça se fait des sauvegardes automatiques. Donc,
Donc soit je recommence l'épisode à zéro, on en est quand même à 25 minutes, pas forcément idéal pour vous, ni pour moi, vu que j'ai fait des trucs en attendant. Quoique, j'ai dormi ou pas? Non, j'ai pas dormi en plus. Allô? Rip, oui. Oui, merci, c'est gentil le chat. Non mais sérieux? Putain, ils ont fait je sais pas combien de patchs de mise à jour, de résolution de bugs et tout, et... Sérieusement. Et l'autre, je les traite de lent, mais du coup il a eu le temps de transformer toutes mes rondins de bois en dos. Ouvrir le menu du jeu, emplacement d'objets rapide, pause, travailler, interagir. Ça à la limite, comme ça je pourrais peut-être l'envoyer au développeur en disant il y a un bug, comment je fais? Bon là franchement je sais pas, du coup je crois que je vais devoir retour au menu principal, confirmer. Bon tant pis hein. Et oui, 150 jours, donc on a pas avancé. Du coup, maintenant que je sais comment fonctionne la ferme, ce genre de choses, est-ce que, je pense que je vais vous le laisser comme ça. C'est exactement ce que j'ai eu. On va essayer de refaire la même chose en un poil plus rapide, si on peut. Non, pas la foule. Quoique, on verra. On verra ce que ça me donne. On va d'abord faire le sermon. D'ailleurs, j'ai pas été voir l'évêque, mais de toute façon, il doit pas avoir grand chose à me dire. Combien de pièces j'avais? Du coup, j'aurais peut-être un peu plus de pièces. On verra. En tout cas, j'ai un de fois en moins. Succès de récolter 63. Pas faire autant de recherches. En même temps, du coup, est-ce que je fais la recherche tout de suite ou est-ce que
J'attends de faire un gâteau du coup. Je vais faire un gâteau. Je vais me débrouiller pour faire un gâteau. Ça fera plus de bleu gratuitement maintenant que j'y ai pensé. Il a fallu reprendre la sauvegarde. Mais bon, j'aurais pas repris la sauvegarde juste pour ça quoi. Si je vais poser la foi. Si ça par contre il faut que je l'étudie. Bref. Lui il faut qu'il finisse les pommes. Lui il a fini. Du coup, il veut faire du vert. Tu poses. Qu'on peut le détruire cet arbre, mais je trouve ça dommage, il est joli. Là j'ai un cadavre sur deux parce qu'il y a celui du bas. Ah j'ai pas pris. Tant pis. Non, il me dit rien. Si, il a bien voulu juste au moment où j'ai annulé. J'ai l'impression que c'est un bug. C'est le moment où tu t'en vas et que t'as le message parler. Et tu spam, mais ça ne fonctionne pas. Oui, bah non, j'ai pas pris. Donc ça sert à rien que je vienne en bas. En voyant que le je pose un rondin et puis il disparaît tout de suite, j'ai eu un peu peur. En fait non, c'est que le zombie il a réagi immédiatement. Donc j'y pense du coup, le gâteau c'est bon. Alors le gâteau, j'ai tout ce qu'il faut, c'est de la pâte feuilletée. La pâte feuilletée. Ah, à dîner c'est ça. Oh. Il faut de la gelée verte, quoi. Ou... Ok. Oh, ça c'est sympa. Le fait de pouvoir mettre des pommes au four, ça va m'aider. Ok, donc en fait, j'avais un peu peur qu'on ne puisse pas... je ne connaissais pas la recette, et du coup, en fait, c'est ça. Tout simplement, un petit peu de la soupe à la citrouille, du poisson pané. Mets n'importe quoi dedans en tant que tu mets deux fois. Ouais, les tranches de betterave et de la pomme au four, ça, c'est bien. Hein. Et là, je peux mettre quoi? De la gelée, du muffin, des croissants, un gâteau, bien sûr. Bien sûr, le gâteau que je galérais à faire parce que je sais.
tempête. Feuilleté. Feuilleté. Pâte feuilletée, il faut que je prenne des œufs et cruche de lait. Très bien. Œufs, cruche de lait. Oui, le jus de baie, ça demande de la pomme aussi. Je vais zapper. Puis là, ça demande du lait. Ok. Évidemment, évidemment, je ne sais pas lequel prendre. Peut-être plutôt celui-là parce que ça a dû me coûter un peu moins d'énergie. Poser les organes. Le sel, je vais poser au sous-sol plutôt ça. Du coup, j'ai pas mis équipé ça. Si je peux reposer les baies, ça m'arrange. Je peux pas poser à la fois des baies, à la fois des pommes. Ah si, j'ai. Ok, très bien. Je pose. J'ai un certificat. Au final, tout ça, ça me sert à rien pour le moment. Faut que j'aille à la ville tout de suite. Faut que j'aille à la ville tout de suite parce que sinon. Sinon ils vont fermer le temps que je fasse tout ce que je veux. On a dit surtout des cruches de lait et peut-être des œufs. Là je fais aux œufs, je crois. Je crois qu'au final le lait n'est pas ici. Je vais quand même les prendre. La souris qui ne disparaît pas. Le lait, oui, alors je sais que le beurre et le et surtout le fromage, je sais surtout pour le fromage que je peux en avoir une utilité, mais mais en fait là, mais j'en ai pas spécialement. J'ai pas regardé les recettes qui en avaient besoin, du coup je vais pas en faire tout de suite. J'ai pas trop. Enfin voilà, j'ai d'autres recettes, on sait pas à faire. Vu qu'on sait qu'il va falloir masse de graines, vraiment masse, qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Ça, au final, je peux faire quand même la ferme, ça sera pas inutile. Je
qu'on peut faire par contre, c'est prendre ça. Prendre tout ce qui n'est. Tout ce qu'on peut et qui n'est pas. Si ça sert à rien que je garde sur moi. Et tout ce qui n'est pas des graines et mettre ailleurs. Est produit ailleurs et tout ce qui est produit ailleurs dans une autre malle et tout ce qui est graines et trucs qu'on récupère ailleurs de temps en temps, voilà, on y met dans celle-ci. On essaie de s'organiser même si les zombies nous désorganiseront sûrement. Qu'est-ce que je veux? C'est la pâte brisée. Alors je vais pouvoir faire deux ou trois. Quelques pâtes feuilletées. Ah oui, non! Ah, j'utilise 5 œufs, mais ça me fait 20 pâtes feuilletées. Ah oui, quand même. Un œuf pour 5 pâtes feuilletées. Une cruche de lait, pareil. Ça me paraît rentable là-dessus. Par rapport à la vraie vie. Par rapport à l'IRL. Et par contre, c'est le nombre de baies qui manque. Est-ce que je peux poser des trucs? Le lait. J'étais en ville, j'ai pas posé le certificat. Là, non. Voilà. Bien, j'ai juste juste un peu de un peu de bio de bois en trop. Ah oui, du coup je refais pas revivre le zombie vu que j'ai pas de jus de zombie. Et que j'attends le gâteau. C'est compliqué. C'est pas grave, il me faut des personnes enterrées. S'il vous plaît. Merci. En plus, c'est un très bon cadavre. Donc 3 et 4. Normalement, ça fera 4 et 3. 4 et 3, c'est ça. Donc enlever la peau, ça enlève un de qualité. Enfin, ça transforme un de... Ça fait l'inverse du sang et de la graisse. Ça transforme un qui était en qualité rouge et ça le met en qualité blanc. Non, ça fait l'inverse. Bref. Ça fait l'inverse de ce que je viens de dire parce que j'ai pensé en tant que sang et graisse. Lui, c'est plutôt un bon cadavre. Je vais l'enterrer. Lieu de sépulture. Ça fait une croix. Pas. J'ai
pas spécialement envie de ramener tout ce que la ferme de bois zombie, la scierie zombie, peut ramener, parce que après je stocke où ce bois là? Ah, j'arrive pas. Je vais commencer par ramener juste ces deux-là. Et tous les autres juste après. Tac. J'ai des gâteaux. Ça c'est bien là. Non, c'est pas là. En plus. Voilà, je vais le garder ici. Mais c'est plutôt ici la viande. Ouais. Je vais le garder là pour me souvenir qu'il faut que je l'étudie. En parlant d'étudier, je prends ça. Ça. J'ai posé tout ce que je voulais étudier, c'est très cool. Je vais pouvoir prendre ce qu'il y a. Ce qui traîne encore par terre dans la morgue. Vu que je te laisse tout traîner par terre dans la morgue. Plus de points lorsque vous étudiez de nouveaux objets. 2 minutes, oula. Voilà, vous avez vu peut-être combien j'en ai gagné. 29 à 80. Du coup, je pense que c'est plus intéressant de tout étudier une fois que j'ai le gâteau. Du coup, je vais faire ça. Je vais étudier tous les organes. Tout le reste à étudier, c'est plus important de l'étudier pour savoir en quoi ça se décompose. Ouh, ça! Bien, mais tout ce qui ramène du bleu, je vais essayer de d'y penser, de le ramener. Voilà, du coup, on fera pas le prochain zombie tout de suite, ça va être compliqué. Faut que je dépose la pâte feuilletée. Après, on me dit de faire de la cuisine, mais j'ai pas la place de poser la pâte feuilletée là. Et oui, ça commence pas à 90 quelque chose, vu que je peux pas en prendre tant que ça. Je prends des choux pour poser de la pâte feuilletée. C'est tout. Une pomme, très bien. Les pommes au four, je vais les poser ici temporairement. Ça c'est fait, ça c'est pas fait. Je peux pas. J'ai pas de viande sur moi. Voilà. Le cœur, j'en ai déjà un. Voilà. Je vais peut-être poser le gâteau ici, comme ça la prochaine fois. J'aurais pas forcément besoin de le refaire. La gelée verte, ça peut être très bien à étudier, ça. La grenouille. Moins. Une abeille. Oh là là. Une grenouille. Ça
fait qu'on a de la place, ça fait qu'on peut prendre une abeille. Ah, c'est compliqué. Une mythe, un papillon pot de porc. Oh là là, tant de trucs que ça qu'on peut. Le papier propre, ça se décompose. La potion d'énergie, au final, je les ai stockés pour ne jamais les utiliser. Le poisson, ok, ça c'est cuit. J'aurais peut-être pas dû poser le gâteau en fait. J'aurais pas assez de temps pour tout étudier. Je vais commencer par les organes, c'est ce qui va rapporter le plus dans tous les cas. De toute façon, je crois que j'ai pas assez de foie. J'étais en train de vouloir tout ramener, mais j'aurais très certainement pas assez de foie. Stylo et encre, vu que il ramène beaucoup de trois trucs différents. Pas beaucoup de bleu, hein. Sérieusement, en 10 secondes. Que j'ai le temps de prendre du papier, de le décomposer et de revenir. Non. La réponse est non. La peau, par contre, j'aurais pu la poser. J'ai 6 de foie. Le gâteau, maintenant que j'ai les pâtes feuilletées, là, j'en ai plus. C'est plus si difficile que ça à produire. Ça ne rapporte que deux à la fois, mais c'est pas grave. Je sais même plus comment on fait du papier. Si, avec la peau. Ou les ailes d'araignée. Des chauves-souris, les araignées n'ont pas d'ailes. Poser le reste. Je vais rechercher. Le gâteau, est-ce que je peux le manger directement? Non. Du coup, j'ai deux réserves de papier, une à mes pieds, une ici en bas. C'est pas petit. C'est pas grave non plus. Alors, non. D'abord on mange le gâteau. Même si du coup on a un peu gâché tout l'apport en énergie qu'il aurait pu donner. Pas tout, mais une bonne partie. La gelée verte, ça m'intrigue beaucoup. Fluide essence. Après le reste, évidemment, ça sera pas grand chose. Abeille ou pomme. Pomme, ça vaut 1, abeille, ça vaut 3, donc ça vaut la peine. Perche, ça prend 2, goujon, ça prend 2, grenouille, ça prend 2, échou, ça prend 1. Pas la grenouille. Qui me donne une histoire. Alors, une histoire, on la pose ici. Le reste, c'est là-haut, je crois. Ça, c'est ici. Ça aussi. Ça aussi. La viande, on peut la mettre là. Pas se poser parce que ça veut pas stacker. Le miel, je peux le prendre. Ça, je peux le prendre.
Oui, c'était mes pommes qui ont pris toute la place, évidemment. Faut que je remette le stylo et encre en bas. Le miel aussi. Voilà, je suis à peu près retourné dans mon état précédent. J'ai une pomme sur moi. Voilà. J'ai quoi d'autre qui m'embête? Le chou. Bon, lui, il a plus de quoi travailler. Enfin, il a plus de job. Je n'incite plus à rien faire, voilà. Par ici. Ça s'étudie. Oui, toutes les graines s'étudient. Aussi, il y a beaucoup de choses à étudier si on veut savoir tout faire en fait. Parce qu'il y a une bonne dose de je sais pas faire donc je ne peux pas. J'ai juste envie de. Est-ce que lui prendre? Prendre. Serpent, le jour de serpent. Comment je fais? 4 et 2. Comment je fais pour ça enlève un crâne, et du coup forcément un blanc. Oh lui on va le cramer. C'est pour qu'il augmente que de 1 au final. Comment on fait les clous, enfin les clous ensanglantés. Juste que j'aimerais bien avoir mon armure pour aller dans son donjon. J'ai du sel. Ah oui, oui, je viens de le récupérer. Il m'en faut 4. Oh, mais la gelée, elle est ici, en fait. Je vais la descendre. Elle sert plus à grand-chose là-haut. Quoique, il y en a pour la cuisine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On continue à déforester. Ici et je lui demande voilà
le 2D de des fleurs, il bouge bizarre. Je sais que c'est pour aller avec le vent, mais il est vachement déformé. Comme ça en fera beaucoup pour le zombie, même si je pense qu'il n'en aura pas besoin d'autant. Oula. Enfin, il n'en aura pas besoin d'autant par rapport à ce que je lui ai demandé, mais de bois pour la mine de pierre, mais en même temps c'est une mine à main, c'est pas une mine à zombies. Du coup, je sais pas si c'est hyper rentable, enfin c'est hyper intéressant. Merci. Se battre, je pense, vu que la nuit commence, ça ne sert pas à grand chose d'aller en ville. Ouh, lui par contre c'est un peu dommage si je le loupe. Du coup je vais vraiment lui, je vais pas lui enlever la chair, parce que une erreur, parce que ça sera c'est le genre de cadavre qui va bien augmenter l'attrait du cimetière. Alors, je peux directement ne pas le poser et appuyer sur triangle. J'ai une manette de Xbox, donc Y, mais c'est pas grave. Bon, la traîne ne fait que descendre, c'est prévu, c'est pas grave. Faudrait que je mette tout par terre, mais j'ai... Ah, on peut réparer la clôture maintenant. Il me semble qu'on pouvait pas avant. Intéressant. Licence commerciale 50, oui c'est ça. Par contre, quand je fais retour, je veux faire retour. Si je passe par là, parce que je veux couper
Le ou les deux derniers arbres, je vois pas l'autre. Oh, pelle cassée. Mais il y en a bien un autre. Mais c'est pas grave. Là. La pelle, c'est pour. Voilà. Je peux couper l'arbre quand même. Je peux juste pas enlever la souche. Et l'arbre en haut à droite, vu qu'il est fleuri, qu'il est beau. Enfin, pas, il est pas fleuri. Feuillu, il est beau. Je vais le laisser. Je l'enlèverai si j'ai vraiment besoin de place. Mais je pense que je sortirai quelques cadavres avant. Jour de l'inquisiteur. Oh, plus de déchets. Bon, j'en ai vendu une centaine. Ça aide, mais plus beaucoup de déchets. Et du coup, avec tout ça, moi qui voulais faire la bière et tout, je ne l'ai pas fait. Bien. Je viens d'y penser avec l'agriculture, c'est super, j'adore. Il n'y a plus de vent. Pam, 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 pam. Ouais, je sais, il me reste une bûche à ramener. Attendre 20 secondes devant pour qu'il accepte. Alors, on pose ça. On répare la pelle. On vérifie que la pelle est bien à sa place. Oui. On pose les bâtons. J'ai quelques carottes, mais c'est pas grave. Je peux aller voir. Je peux aller voir le vendre mes certificats d'inhumation. Oui, faire le l'armure. Voilà, on va faire ça. Alors, il me semble que c'était ici. Voilà. Pourquoi si j'ai une peau sur moi, c'est que j'ai un peu trop. C'était ça. Non. Toi, c'est au sous-sol. Alors, ça. Et non, pour une fois, les peaux, on les prend. Je vais le fabriquer moi-même. Ouh, j'ai mangé un peu trop. Armure de fer. Et elle est directement équipée. On l'a pas étudiée, bien sûr. De toute façon, on peut plus étudier grand-chose. Il n'y a plus de foi. Et la prochaine fois, j'aimerais la garder pour le prochain zombie. Enfin, non mort. Enfin, vous m'avez compris. Du coup, toi, tu m'as été pas mal utile. Mais... Si je vais te laisser là pour le moment, tu vas pas faire tout de suite les allers-retours. Moi je vais passer par le sous-sol plutôt pour aller en ville. Vendre mes certificats. Je suis à peu près sûr que pendant que je serai en ville, l'âne va m'en livrer un nouveau. Et du coup, bah voilà. J'en aurai un autre à utiliser. Mais ça sera déjà ça.
Félicitations. Cette nouvelle église est essentielle pour notre village. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Je pourrai bientôt m'agrandir et ajouter des tables. Ah, il a plus 10. Cool. Mais j'ai pas fait de... Je lui ai toujours pas donné son tampon. Bon, c'est pas... C'est pas le truc le moins cher non plus. Si tu veux pas me mettre sur le maximum dès le début... Voilà. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te les paye tes recettes, c'est ça? Elles sont un peu chères. Ah, les pâtisseries, c'est là qu'il doit y avoir les croissants qu'on avait vus tout à l'heure. Tartes aussi, pareil, pour les plats sous cloche. Recette bon pour la santé, et poisson et labo. Qu'est-ce que je veux faire? Attends, du coup, vu que ça a bugué, j'ai un peu envie de faire un peu d'extra sur cet épisode, et un peu plus loin qu'une heure. Parce que sinon, vous aurez qu'une une avance d'une demi-heure sur une vidéo d'une heure. Youhou ! Alors que d'habitude, vous avez quand même une avance d'une heure. Voire une heure et demie. À part quand je réfléchis beaucoup et que je porte. Pourquoi je ressors là, moi ? Pour rien, on est d'accord. Alors, dans quel état tu es? Plutôt pas mal. On va voir combien d'erreurs chirurgicales je fais. C'est quoi cet état? Ah, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Mais là, il est parfait. Du coup, j'ai moins un d'énergie. Attendez. Fatigué, vous devez dormir, sinon vous continuerez à perdre de l'énergie. C'est ça. J'ai eu moins un sans que je travaille. Moment de quand je lui tirais des choses. Je passe en négatif. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avant pour finir de utiliser mon énergie? Je vais enlever plutôt dans le cimetière, c'est un peu plus intéressant. Enfin, ça repoussera pas et ça me fait de la place pour mettre les parterres de fleurs pour ne pas mettre à la place des parterres de fleurs, pour ne pas mettre des tombes à la place des parterres de fleurs. J'ai pas eu un seul bâton. Peut-être l'état fatigue qu'ils le disent pas, mais ça fait aussi louper certaines pièces qu'on est censé récupérer d'habitude, on les récupère pas. Je sais pas. Bon, tant pis. De toute façon, c'est pas comme s'il me manquait de la tourbe.
Ah, ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que ça fait si à la place de dormir je vais méditer? Est-ce que ça m'enlève l'état ou pas? On va pas méditer beaucoup, mais. Voilà. Pas d'amélioration active. Ok. Donc si je veux juste enlever l'état, je peux méditer 30 secondes comme ça, même moins. Finir ma journée sans avoir l'état. Et au fait, faut que tu dormes, faut que tu sauvegardes. C'est un peu la même chose au final, dormir, sauvegarder dans ce jeu. Ah bah la pierre aiguisée a été mise ici. C'est pas plus mal. Puis j'en ai pas besoin. Le nombre de stocks de bois, c'est le maximum. Qu'est-ce que je peux faire? Faut que j'aille au sous-sol. J'ai pas spécialement d'autres choses à faire en fait. Mais en même temps, je vais faire quelques clous moi-même. Ou presque. Je vais presque faire quelques clous moi-même. Et dormir comme ça j'aurai plus le. Enfin, je vais sauvegarder et je vais reset l'altération d'état. Le compteur de l'altération d'état. Je sais pas s'il a été reset entièrement ou pas, vu que j'ai médité et pas jusqu'au bout. Mais on verra. Je me sens rafraîchi. Pour deux cornes. Waouh. Fais-moi ça. Le jour de l'astrologue, c'est pas trop grave. C'est demain que ça va être intéressant. J'aurai enfin un peu de foi. Je peux peut-être prendre les technologies qui m'intéressaient, donc on va dire banc d'église, douceur de la foi, illumination de la foi. Ah, et les candélabres 2 et les vitraux, c'est ça qu'il va me falloir pour améliorer le. Enfin, ça fait partie des trucs qui peuvent me permettre d'améliorer suffisamment l'église. Peut-être de l'encens, ça prendra aussi les cordes. On commence par les bancs confortables. Invention d'histoire, générateur de texte aléatoire. J'adore, générateur de texte aléatoire. Je pourrais faire ça, mais à part avoir dramaturge, je sais pas vraiment. Enfin, si, ça doit servir à des choses. Mais je ne sais pas trop à quoi. Je vais prendre le maître récolteur, vu que maintenant j'ai beaucoup. C'est une altération qui peut être utile et que je me rendrai pas forcément compte. L'alambic. Du coup, la ferme de zombies, on va attendre un peu. Le talent d'apiculteur, c'est quoi déjà? Vous avez été piqué tant de fois que les piqueurs d'abeilles ne vous font plus rien. Désormais, vous avez donc le temps de récolter plus de miel dans une ruche. Voilà. Juste plus de miel. Mais bon, c'est pas inutile. Plus d'alcool, on peut peut-être prendre les recettes d'engrais enrichis à fond. Vous aimez boire de l'alcool, vos gueules des bois dépendent de l'alcool que vous avez bu, de plus l'alcool que vous fabriquez vous-même est de meilleure qualité, d'accord. Je peux faire de la... mais avant faut que je fasse de la gnôle et de la... bref. Forgeron de nez, ça donne quoi? Vous aimez le travail le fer?
chauffez au rouge, martelez, vous détend, et lorsque le travail est fini, vous parvenez toujours à trouver le temps de fabriquer quelques clous supplémentaires. Bah, voilà. Règle d'incinération, talent pompier. Alors, réseau des lanternes, emplacement pour la lanterne. Le jaillissement des flammes vous fascine, le feu, ça vous connaît. Et vous savez donc comment améliorer la productivité de votre fourneau, comment faire fondre plus de minerais par chargement. C'est intéressant, même si maintenant, faire fondre plus pour la même quantité, vu que j'ai le... Vu que les zombies récoltent du charbon, et que le charbon est plutôt efficace, je n'ai pas forcément besoin. Améliorer les outils, ça peut être bien. Arts martiaux. Alors, prière de châtiment, prière de protection, et on va sortir du menu, tab, et on va y aller à la souris, pour pouvoir les lire un par un. Donc, prière de châtiment, des paroles fortes qui empliront votre cœur de furie, paroles fortes qui vous rendront plus robuste. D'accord, donc si on veut, ça peut être bien vu que je veux aller au sous-sol, mais bon, et surtout costaud apparemment, à force de travailler le fer on devient fort et costaud, plus un dégât plus un de défense, ça c'est bien. En passif c'est pas mal, mais je veux d'abord aller au sous-sol pour voir à quel point l'armure de fer m'améliore. L'enclume 2, ça peut être très intéressant. Le fourneau 3 aussi. La cuisson de la céramique, je sais pas. Le graphite. Ça, on en a besoin pour je sais plus trop quoi. Le tailleur de pierre pour pouvoir faire des briques de pierre polie et améliorer, ça peut être bien. L'établi à bois, la construction en bois, je sais pas encore trop à quoi ça peut me servir. Peut-être été un peu trop vite quand j'ai tout débloqué. Je pense que je vais quand même débloquer ça et ça. Il va me manquer un pour pouvoir avoir les deux carrières. Non, 6. Ça va. 6. Et du coup, tant pis pour le graphite. Je sais que je peux en fabriquer pour je sais plus quoi. Alors que ça, je sais que très bien que c'est au sous-sol. Déverrouiller. Ça, je sais plus trop, mais ça doit être dans les endroits beaux. Charpentier, le bois, ça vous connaît. Les scies circulaires sont plus productives entre vos mains. Talent maçon, les pierres sont votre passion et vous êtes doué pour les tailler. En fait, vous êtes si efficace que vous obtenez un morceau de pierre supplémentaire de chaque gros rocher. Oh ! Du coup, faut peut-être que je le taille moi-même au lieu de faire en sorte que ce soit les zombies qui le fassent. Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire la carrière. Cuisson de la céramique, non. Cuisine, on s'en fiche. Enfin, il n'y a rien à débloquer surtout. Les outils, ça me fera utiliser mon fer et du coup ça me débloque ces outils là qui coûtent rien du coup. Ça fait du bien d'avoir descendu les stocks de points rouges et verts. C'était à 600 ou 800 je crois. Générateur d'histoire, pas vraiment besoin. Dramaturge. Je crois que ça peut m'être assez utile, comme de toute façon j'ai pas 100, donc voilà. Comme l'écrivain, mais pareil, j'ai pas 25 plus 40, vu que j'ai déjà pas 40, pour améliorer les productions sous-sol. Peut-être que je vais faire ça, l'étagère de livres et le bureau 2, pour améliorer les qualités de ce que je peux faire au sous-sol. Ou alors, je fais ça, station de pierre chez ma pelouse.
plein de pierres. 4 à la tombe, 4, 3. Et vu que j'ai des beaux cadavres en ce moment, enfin depuis un bout de temps d'ailleurs, ça serait peut-être bien de leur mettre des visières, des pierres tombales un peu plus améliorées. Ce qui fait que je peux atteindre, soit je peux les améliorer par rapport à ce qui me... Enfin bref, je peux améliorer plus... Oui, c'est bien ça. J'attendais un cadavre. Autopsie. Encore un très beau cadavre. On en parlait justement. Pas d'erreur médicale. C'est parfait tout ça. On prend pas plus de risques. Et on l'emmène. Je crois qu'il n'y a pas d'espace. Il y a nulle part où c'est déjà prévu. Lieu de sépulture. Du coup, je crois que j'en ai deux. je vais faire un petit peu les tombes. Ça faisait longtemps. Surtout que comme ça, je peux me... me débarrasser entre guillemets des tombes de qualité un peu moins bonne que ce que je viens de pouvoir créer. Ça permettra de faire de la place et de pas confondre les cadavres de bonne qualité avec qui méritent du coup des belles tombes. Par exemple lui, je sais même pas s'il mérite d'être enterré. Lui, non, c'était pierre tombale, voilà. On jouerait pas forcément tout au max, mais au pire, je les réenlèverai et tout ça. Ça me fait plaisir de remonter à 23 aussi. Je suis passé tellement... J'ai dû monter, je crois, jusqu'à 40 ou 50, et du coup, je suis redescendu assez bas. Plus de carottes, donc pas de prochain... corps. Je vais poser le sang, la graisse. Non, c'est pas ici. La graisse. D'ailleurs, oh, il faut de la pierre. Je pense que d'ailleurs le vin est bon, mais je ne l'ai pas. Enfin, le raisin est bon, mais je n'ai pas touché depuis un bout de temps. J'allais l'emmener là-haut. Je pensais à quoi? Certificat. Les certificats, l'épée, c'est vrai que si lui il était là, c'était pour que j'ai l'épée. Faut que j'aille vendre celui-ci du coup. Qu'est-ce que je peux poser? Je vais faire le raisin. Ce sera un peu plus intéressant que faire une carotte pour avoir un peu de... Oula. Pour avoir un peu de déchets agricoles, je trouvais pas le mot.
Celui-ci, je peux le poser là. Voilà, les déchets agricoles, je peux les remettre à produire. Je peux les vendre, c'est rigolo, mais ils rapportent pas grand-chose. Poser le raisin. Non, c'est pas là qu'on pose. Enfin, poser, presser, ça marche aussi. On met deux de qualité meilleure. Oui, là, maître vigneron, ça améliore de les chances d'avoir du vin de meilleure qualité. Voilà, j'aime le fait que j'ai 50% de chance de produire du vin de qualité bronze, alors que je lui donne deux raisins bronze. C'est à dire qu'il peut ne pas me produire de vin du tout, c'est ça? Ça serait un peu dommage. Un peu. C'est la journée, non. C'est la journée où on va prier. Non, je crois que l'autre, il rapportait un peu plus de foi. Du coup, on va prendre lui. Et on va croiser les doigts pour que le... Pour avoir de quoi, mais ça sert à rien de prendre le jus de zombie, j'ai pas de carottes, donc j'aurai pas de cadavre. Bref. Beaucoup de choses à faire dans le jeu. Tac, tac. C'est ça que j'ai oublié, que je voulais faire, c'était des bancs de meilleure qualité. Je veux faire des bancs de meilleure qualité, je veux aller voir la ferme à... Enfin, la mine à zombies. Ok, sympa. Il y en a qu'un qui m'a dit sympa. Il y en a qu'un qui... Non. Ouf. J'ai peur. Il n'y a plus personne qui vient se confesser, c'est super. Je vais pas regarder la recette pour faire des bandes mères. C'est super. On aime les allers-retours. Mais non, ça je voulais le garder. J'aurais pu prendre des bois, des planches, des dosses peut-être. Surtout des planches, je pense. Allez, je mise sur planches, clous et pièces de fer complexes, je pense. Alors. Ah non, construction en bois. Ah bah voilà. Voilà, j'ai pas validé alors que j'aurais dû en vouloir. Bon, en même temps, je sais pas faire de la soie, donc ça ne change pas grand-chose. Mais ça augmente la qualité de l'église de 3 au lieu de 1. Donc ça fera plus 2 pour chaque banc. Je sais pas si ça augmentera le nombre de gens, mais au moins, il y aura plus de qualité. Et je sais donc maintenant comment atteindre le... 50 de qualité en dans l'église. Enfin, je sais à peu près. Je sais pas faire de la soie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc le banc c'est mort. Le zombie là-haut. Si
aussi. L'alambic. Non, l'alambic, il faut de la pierre, on a vu. J'ai peut-être un peu de pierre, mais pas des masses. Enfin, j'en ai 4, il en fallait 10 de mémoire. Allez. On y va. On va se prendre le miel au passage, maintenant qu'on récolte mieux. Enfin, plus de miel pour... Et on se fait même plus piquer. Ouais, d'accord. Je me fais plus piquer, j'allais dire. Et juste à ce moment-là, les chauves-souris arrivent et me sautent dessus. Ah, tu te fais plus piquer, hein. J'ai même pas fait gaffe à combien. 3 de miel. Oui, c'est... J'en avais un, voire deux, rarement trois, de mémoire. Là, j'en ai 3-4 à chaque fois. C'est dommage, j'aimerais bien un peu plus de cire. Alors là, ça ne sert pas à grand chose. Je peux savoir combien il y en a dedans. On dirait pas un... Puis là, ils ont un... des beaux outils, mais ils veulent pas m'en faire des planches transportables. Quand je vois la cargaison, j'ai juste le droit de demander les rondins de bois. Est-ce que j'aurais au pile poil? Mais par contre, ça me ramène plus d'abeilles. À peine de la cire. C'est tout. Pourquoi là il y a 3 de... Ils en ramènent 2 par 2. Il a pas voulu travailler parce que j'étais pas là. Je sais pas. Carrière de zombies. Droite, gauche. Station de porteur. Alors. 8 et 8. 16 d'os. 16 d'os, 8 clous et 2 pioches. 1. 8 d'os, 16 clous et 2 pioches. 8 d'os, 16 clous, 2 pioches. 8 d'os, 16 clous, 8 d'os, 16 clous. Je le ramène parce qu'il peut être un peu utile peut-être. J'ai le doigt à avoir les dos, les clous aussi. Par contre, les pioches, non. Non, c'est 16 dos, 8 clous. Au pire, je ramène 16 et 16, c'est pas si grave. J'ai pas de dos. Ça devait être avant le crash. Hein? Du coup. Tu te mets là. Tu fais. Ouais, tout ça. Ça se trouve, en fait, ils les avaient fait et elles sont là. Non, très bien. J'ai les clous, normalement. Il me faut juste 2 pioches. Si, on prend un peu de vin. Et qu'on n'était plus full life. Voilà, il a fait une planche. Enfin, une dose. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux faire rapidement en attendant récolter? Je vais poser le miel et
la cire, tout ça. Ouais, j'en avais mis un haut en bas. D'ailleurs, ici. J'ai pas la place de prendre. Juste ça, quoi. Voilà. Je reprends ma pioche. Je peux peut-être mettre des carottes. Vu que j'aurais besoin d'un. J'aurais besoin d'un cadavre. On va en prendre 20. Ça nous fera 4 cadavres. C'est suffisant. C'est bien. Forcément, j'en ai 8 sur moi. Bien que la tourbe reste là, j'en ai pas besoin tout de suite. Qu'elle reste là où elle est, c'est très bien. J'ai pas posé tout le miel ni la cire. Et lui a fini de bosser. Tu vas me faire une autre dose. C'est pas grave, il n'y en aura jamais trop. Là, je prends ça. Je vais peut-être même le temps d'en faire une autre, le temps que je ramène tous les troncs d'arbres. Non, tant pis, elle sera à moitié faite. Oh, quoique, il a même le temps d'en faire une de plus. On est passé de l'attendre à il en produit trop. Le temps que je ramène tout. Et du coup, en même temps que je ramène le bois, il diminue le total. Pile poil, je crois que c'est. Ah, il y en a 9, c'est bien ça. Après, je vais me sentir obligé de les finir en me disant si je les ai commencés, c'est bien pour quelque chose. Alors qu'en fait, non. J'en ai 18, c'est largement suffisant. Pareil, j'ai trop de clous. Je vais quand même poser les. Bâton. Je vais le laisser travailler le temps que je m'occupe du cadavre. Il aura le temps de les finir. J'ai l'impression que le PC ne supporte pas trop là. Je sais pas ce qu'il y a. Je ne fais rien de plus que d'habitude. Enfin si, je fais travailler en zombie. Alors. Du coup, j'ai assez de foi. T'as de grandes chances de devenir un non-mort, toi. Ouais. Peut-être pas prendre la chair d'un non-mort. Pas, j'ai dû le faire, ni la peau. Quoique, de toute façon, ça ne change pas grand chose.
C'est long de faire tout le tour. Il faut que je pose ça. Que je prenne ça. En fait, les poissons, vu que je pêche pas, ça me sert à rien. Vu que je les essaye pas comme appât, du coup. Est-ce que je ramène les deux zombies là-haut? Sachant que j'aurai deux postes. Ouais, j'ai deux pioches. Est-ce que je ramène qu'un seul? Est-ce que j'en mettrai un à la mine? Un. Un à faire les allers-retours. Je pense que les deux à la mine plutôt. Mettre un bois de plus, il l'aurait fait. Ou deux. Je vais ramener les deux, mettre les deux à la mine. Si c'est deux mines de pierre, ça sera très bien. Si c'est autre chose, ben, j'aviserai. Je passe toujours par le même chemin. En même temps, c'est là qu'il y a le miel, donc c'est intéressant. Mais je pourrais passer devant les marais de Clotho aussi, de temps en temps. C'est peut-être même plus rapide de passer par les marais de Clotho. Là, je fais des allers-retours au final. Je monte, je vais un petit peu à droite et tout. Alors que Clotho, je vais toujours dans une diagonale en bas à gauche. Hop là. En passant par les marais. Ah bah tiens, le miel, il s'est revigoré juste sous mes yeux. Allez! Si je veux. Toi, mince, maître, oui. Ah oui, c'est marrant ici. Tu dois bien transformer le fer et la pierre. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ouais, c'est bien ça. Il y en a qu'un qui est apparu. Du coup, je sais pas pourquoi la dernière fois il y en avait quatre. Peut-être qu'il a pas voulu bosser parce que je n'étais pas venu. Je ne sais pas. Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ça sera tout pour cet épisode, mais c'est déjà un grand épisode à cause
d'un bug, rappelons-le nous, au bout d'une demi-heure de jeu, j'ai dû recommencer à zéro. Cadavre, super. Si je fais une pause là tout de suite, j'arrête. Du coup, je vais sûrement l'oublier. C'est pas grave, il va pourrir. On cramera. Ça fera un peu de sel et de cendre. Bon, bah du coup, j'arrête cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. Et à la prochaine.